Donc avec ma copine Sophie, on est maraîcher, on baisse un peu cette année parce qu'on a deux enfants de 2 et 4 ans et on a 80 moutons en montagne. Sachez que c'est, quand on a un peu des hectares, beaucoup d'argent en PAC, alors qu'en maraîchage, 0 euro. Maraîchage, nous c'était l'année dernière, c'était 80%, on va dire 70% de notre salaire, de notre travail, c'était le maraîchage et 30% du salaire. Et inversement, 70% du salaire les moutons, 30% du travail, pour vous donner un peu un an d'idée. Et je pense que c'est plutôt 80%. Du coup, sur notre ferme, on produit maraîchage, donc agneau, et du pain. Du pain, c'est ma copine qui fait ça, donc du pain au levain paysan, quand on est paysan boulanger. Du coup, moi, mon trip depuis le départ, c'est l'autonomie énergétique et alimentaire. Donc, c'est ce qui me guide, c'est ma passion, on va dire. Et je pense que je ne serais pas passionné comme ça, ben, j'en serais pas arrivé là. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot et beaucoup de stress aussi. Vous allez voir comment j'ai pu faire pour baisser ce stress. Et donc, en parallèle de ce que je viens de vous dire, on fait du miel. On a des chèvres pour faire du fromage qu'on vend pas ou peu ou qu'on donne puisqu'on en produit très très peu. On produit à peu près 6 petits fromages lactiques par jour, ce qui est trop pour nous, mais pas assez pour monter un atelier où il faut faire des autocontrôles qui coûtent des sous. Enfin bon, j'en passe. On a des fruitiers, on a fait des champignons, on recommence cette année, je vais vous montrer comment, des champignons, des pleurotes et shiitake. Et on avait des cochons l'année dernière, pareil, on mange trop de bidoche, du coup on a arrêté les cochons aussi. Voilà. Alors il y a beaucoup, on parle de souveraineté technologique. Alors moi j'ai été ingénieur, enfin j'ai eu un diplôme d'ingénieur il y a une vingtaine d'années. Et c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup aidé pour faire ce que vous allez voir. Mais je connais des paysans qui ont fait pas forcément la même chose, donc qui ont fait mieux ou qui ont fait différent, mais qui n'ont pas forcément de diplôme. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, ah oui, mais t'es ingénieur, donc c'est facile. Enfin, c'est pas que c'est facile, mais c'est que... Voilà. Mais je pense que quelqu'un de motivé arrive très bien, peut très bien y arriver, sachant qu'il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir la motivation de le faire. Voilà. Je vous demande d'avoir un esprit critique dans ce que je vais dire aussi, parce que en termes d'énergie, j'en toucherai un mot tout à l'heure, mais vous avez sûrement dû entendre parler des énergies libres. On en touchera un mot tout à l'heure, mais faut toujours garder un fort esprit critique. Voilà. Alors je commence par un drôle de truc. C'est une navette spatiale c'est SpaceX, c'est une boîte américaine qui prévoit d'envoyer des gens autour de la Lune en 2019. Et en dessous, c'est en 2020 ou à peu près, une petite station sur la Lune. Ma question est, sont-ils en autonomie énergétique? Parce que finalement, il n'y a pas EDF, quoi. Donc, en fait, c'est pour vous juste vous toucher un mot sur l'autonomie énergétique, ce que c'est pour moi. Parce qu'en vrai, c'est facile d'être en autonomie énergétique. Enfin, vous imaginez combien de milliards d'euros il y a là-dedans. Voilà, avec quelques millions d'euros en France, on est 100% autonome en énergie et on a même, on a plus que ce qu'il nous faut. Donc en fait, qu'est-ce que c'est vraiment l'autonomie énergétique? En tout cas, en ce qui me concerne et dans le cadre aussi de l'atelier paysan dont je suis sociétaire, l'autonomie énergétique, il y a autonomie dedans. Donc pour moi, si on, à coup d'euros, on achète des panneaux, des éoliennes, des ci, des ça, des turbines, des stations biogaz, mais qu'on n'est pas capable d'abord de comprendre comment ça fonctionne. Je parle même presque pas de les fabriquer soi-même, mais au moins de les comprendre, de les entretenir, de... enfin, ouais, je ne vais pas non plus en mettre des tartines. Mais voilà, pour moi, l'autonomie énergétique, c'est l'autonomie d'abord de soi-même. Est-ce qu'il faut arriver à le faire soi-même? Sinon, on est la souveraineté technologique dont on parlait tout à l'heure. On est coincé, en fait. Ça tombe en panne, vous êtes coincé. Et si vous êtes riche, eh ben, y a pas de problème. Mais si c'est que pour les riches, j'arrête de parler et puis vous rentrez chez vous, en fait. Hein. Peut-être pas deux ou trois au milieu dans la salle. Mais... Donc voilà, j'ai juste mis cette photo pour vous dire que l'autonomie énergétique, c'est du bricolage. C'est apprendre à le faire soi-même. Donc là, c'est la ferme. Donc cette photo, on voit en fait plusieurs trucs. Donc là, c'est des chauffe-eau solaires. Il y a 8 mètres carrés de chauffe-eau solaire. Tout ça, c'est classique. Des panneaux photovoltaïques, classiques. Sauf que vous voyez, par exemple, ils ne sont pas sur un toit. Pourquoi? C'est quand même chiant d'avoir des panneaux photovoltaïques devant chez soi, devant sa baraque. Pardon? Alors, pas forcément pour le déplacer.
Ouais, c'est ça. C'est que quand on a autonomie énergétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas relié à EDF, eh ben on a besoin d'électricité même quand il y a de la neige dessus. Donc en fait, il faut penser à mettre. C'est plein, vous allez voir, c'est une somme de petits détails simples et stupides, enfin, pas stupides, mais simples, qui permettent de rester en autonomie et de ne pas avoir recours à un groupe électrogène ou à autre chose. Donc voilà, cette photo est intéressante pour ça, pour ce petit détail. En haut à gauche, rien d'intéressant, mais je vous montre juste les batteries. Les batteries en dessous, on distingue, c'est des batteries au plomb. Les batteries au plomb, c'est des batteries dont on ne peut pas utiliser plus que 30% de la capacité sous peine de les abîmer. On peut, mais on les abîme. Donc cette année, depuis peu, j'ai cette espèce de gros truc en haut, donc à gauche, gris, qui sont des batteries au lithium. Ça s'appelle LiFePO 4, c'est fer phosphate. En théorie, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on peut les décharger beaucoup plus. Mais je rentrerai pas dans les détails de ça. Si des gens veulent en discuter, moi je suis là pendant 3 jours, on pourra en discuter si des gens ont envie de s'équiper. Voilà. Juste, je tends des perches. Et en haut en bleu, c'est un convertisseur 220 volts. Parce que au tout début, quand je me suis installé, j'étais en yourte et je m'étais dit, oh, je vais tout trouver en 24 volts. C'est des batteries 24 volts. Mais allez chercher un mixeur pour faire votre soupe. Vous allez me dire, pas besoin. Mais il y a plein de choses comme ça. On peut trouver des trucs en 24 volts, mais ça coûte souvent beaucoup, beaucoup plus cher. Je voulais aussi être en 24 volts parce qu'en fait, quand vous passez de 24 à 220 volts, vous perdez de l'énergie. Donc je me suis dit, tiens, on reste à 24 volts. En vrai, quand on a une famille, enfin voilà, j'ai évolué dans ma façon de penser. Et donc, il y a le 220 volts sur la ferme. Et ensuite, en bas, je vous ai mis 3 petites photos qui sont. On parle donc de production d'énergie, mais aussi donc ce que j'ai pas dit, c'est que l'autonomie énergétique, c'est la production d'énergie presque forcément renouvelable, hein, renouvelable, et aussi de la non-consommation d'énergie, donc de l'économie d'énergie. Et c'est vrai que c'est un peu moins sexy l'économie d'énergie. J'ai remarqué, on préfère souvent mettre des panneaux, un chauffe-eau solaire plutôt que d'isoler son cumulus ou je sais pas. Mais c'est vraiment important. En bas à gauche. En fait, c'est avant de construire la partie habitable, c'est le petit bout qui est à droite, la partie habitable. Et donc en bas à gauche, dans le petit médaillon, c'est une cave qui est semi-enterrée. Donc j'ai très simplement, ça a été creusé au tractopelle. On en touchera un mot tout à l'heure à propos. Au tractopelle, et vous avez vu, c'est assez simple, c'est semi-enterré, donc il y a 1 mètre enterré et 1,20 m non enterré. Et c'est notre frigo en fait dans la maison. Donc on n'a pas de frigo, on n'a pas de congèle, on fait beaucoup de conserves et le beurre et tous ces trucs-là. Donc moi je fais des fromages, on conserve le lait aussi dedans. Ça consomme zéro énergie. Un autre truc qui est super intéressant pour les maraîchers, on est toujours en train de dire ah, et comment faire pour conserver les légumes? Donc on parle de chambre froide, on parle de plein de choses compliquées. Et en vrai, il y a un truc, mais vraiment super simple. Donc sur le médaillon qui est à gauche, en bas, celui de droite, pardon. C'est un trou pareil qui est là dans un atelier qui fait 1 mètre de profond et dans lequel qui est creusé à même la terre. J'ai fait une dalle en béton qui est autour, que j'ai fait même ultérieurement, et sur lequel il y a des planches de à peu près 4 cm pour pouvoir marcher dessus, voire de rouler dessus en voiture. Et dessous, c'est simplement des poubelles. Vous savez, les poubelles noires à 10 balles dans un magasin de bricolage. Je conserve tous mes légumes là-dedans. Il n'y a pas de sable, on entend souvent parler de sable, de trucs bien compliqués. Vous prenez une poubelle, vous mettez vos carottes. Moi, je mets les carottes, les navets, les céleri raves. Bon, on met d'autres trucs, on met des jus de pommes, on met plein de choses. Et c'est hors gel. Et je vous jure, j'aurais dû vous ramener une carotte. Elle est comme si je l'avais sortie de terre en octobre. Ça marche super bien. Voilà. Donc, c'est une solution simple, pas chère et très efficace. Et à l'inverse aussi, donc, c'est conservé dans la terre. Donc, ça, c'est le froid. Et à droite, pardon, en bas, vous avez. Un poêle, donc c'est dans la maison là. Il y a un poêle assez classique, à vrai dire. Et derrière, vous avez vu, il y a un espèce de truc en terre. C'est des briques de terre crue, faites par un enfant presque. Il y a des enfants qui les ont fait. Et simplement, je fais passer les vapeurs du poêle. Elles rentrent en haut de ce truc-là, elles redescendent. Ensuite, on ne voit pas en bas, elles tournent et elles remontent dans la cheminée rouge ensuite. Et là, pareil, grosse accumulation d'énergie. J'appelle ça une masse de poêle. Au lieu d'un poêle de masse. Parce qu'un poêle de masse, c'est un poêle avec une masse autour, et là, c'est une masse qui est derrière un poêle, donc masse de poêle. Bon. Voilà. Dernier point, vous avez vu que tout est vitré.
Sur la partie habitable, ça vous connaissez, une véranda, c'est assez sympathique au niveau habitat en hiver, ça économise beaucoup l'énergie. Quand il y a du soleil, on est à 800 mètres d'altitude, et quand il y a du soleil, l'hiver, même par moins 10, on ne chauffe pas, par exemple. Par contre, on perd beaucoup la nuit, donc le matin, il ne fait pas super chaud. Et c'est des murs en paille, pareil, isolants, pas chers, j'allais dire vite construit. La paille, c'est très vite construit, l'enduit dessus, c'est une autre paire de manches. Mais c'est quand même un habitat qui m'a coûté à peu près 10 000 euros et qui fait 80 mètres carrés entre le sol et le haut. Et voilà, c'est des vitrages qu'on peut... je fais beaucoup de récupération, comme vous pouvez peut-être le sentir. Chez les gens qui récupèrent, il y a beaucoup de bordel en général. Parce que, en fait, le bordel, c'est écologique. Parce que si vous ne le récupérez pas, il part dans une déchette, ils sont obligés de recycler. Ça crée de l'emploi, certes, mais vous allez... le recycler bien ou mal, j'en sais rien. Bref, mieux vaut le réutiliser en tout cas. Il y a aussi un petit four solaire là, qui est posé au sol juste au-dessus du médaillon. L'association Entropie là-bas, on a sûrement un ou deux à vous montrer. Donc vous irez peut-être les voir là-bas. Ça sera plus simple. Je crois que j'ai tout dit sur cette photo. Ensuite, on a quelques trucs un peu bizarres sur cette ferme. Donc on a une parabole solaire. C'est une parabole qui fait à peu près 16 mètres carrés, enfin qui fait 16 mètres carrés. Et en fait, c'est un concentrateur solaire. C'est pas un truc pour parler aux martiens, comme je dis aux voisins qui se sont demandé ce que j'ai fait. En passant, je me suis installé donc en 2009. J'ai monté une serre et j'ai conçu cette parabole en tout premier. Et j'aurais pas dû, parce qu'en fait, ils m'ont pris pour un extraterrestre pour le coup. Et c'est pas forcément la bonne solution quand on veut s'insérer dans un coin rural dont on n'est pas issu. Mais bon, ça va maintenant. Donc, parabole solaire qui est capable de produire 9 kW d'énergie. 9 kW, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4-5 radiateurs électriques. Voilà. C'est une bonne chaudière, en tout cas. Donc, ça permet de concentrer le rayonnement au milieu, entre les deux tôles qui sont droites, là, sur la photo de droite. Et la parabole suit automatiquement le soleil grâce à une petite carte électronique dont on reviendra dessus après pour vous parler de ce qui tourne autour de cette carte. À gauche, vous avez cette grosse marmite blanche qui est un steam. C'est une grosse marmite de 200 litres dans laquelle on fait des stérilisations et qui permet, en fait, l'eau, il y a un circuit fermé, l'eau chauffe, elle monte à 100 degrés, quand elle arrive à 100, elle part en vapeur. Et en fait, il y a une double peau dans cette marmite et steam comme vapeur, ça permet de chauffer le liquide. En général, c'est du liquide qui est à l'intérieur. Pour par exemple faire les conserves de manière assez rapide et voilà, plus rapide. Voilà, je pense qu'on peut pas dire tellement plus. Donc on monte un peu plus que la pression atmosphérique et ça augmente la qualité de la stérilisation. Cette parabole sert aussi à réchauffer la serre que vous voyez juste derrière. On va y arriver en chauffant de l'eau. On réchauffe un bassin qui est dans la serre. On va voir, je ne sais plus si c'est la photo d'après. Non. Alors, la parabole. Alors moi, il y a... C'est bien les questions comme ça me permet d'embrayer. Il y a 9 ans, je ne connaissais pas le biogaz. Vous allez voir que c'est un peu mon truc à la fin. Et du coup, j'étais à fond solaire. Alors, sauf que j'habite à Saint-Paul-et-Monestier. Saint-Paul-et-Monestier, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais bon, j'étais quand même... Pour moi, j'étais hors réseau et le solaire n'était forcément pas écarté. Et j'étais dans le réseau solaire alternatif européen, on va dire. Et du coup, j'ai rencontré un gars par Internet qui connaissait ce type de parabole. Et puis, j'ai dit, viens, on en construit une ici. Et il est venu, on a construit ça ensemble, 2 mois de boulot. Mais tout fait à la main. En fait, c'est mine de rien, on ne voit pas trop là, mais vous savez qu'une parabole, elle doit avoir une forme très précise pour avoir un point focal le plus centré possible. Et cette parabole a un point focal de 30 cm de diamètre, ce qui est assez exceptionnel quand c'est fait à la main, avec pliage à froid pour les métallos, c'est-à-dire qu'on avait fait des grandes pinces qui nous permettent de plier exactement à la bonne courbure chaque lame de métal pour faire la forme adéquate. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 mois de boulot. Je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup moins de boulot si c'était fait d'une autre manière ou fait en usine. Mais là, c'est fait à l'arrache, sur la terre, même quand il pleut, avec des moellons pour faire le plat. Donc ça coûte un peu des sous. Il y a un pilier de téléski que j'ai récupéré à la station de ski où je mets mes moutons.
Et sinon, l'aluminium qui réfléchit est un aluminium qui réfléchit à 93% la lumière, ce qui est mieux qu'un miroir, puisqu'il n'y a pas le verre entre les deux. Donc en fait, on a moins de pertes à ce niveau-là. Et c'est plus fragile du coup. Mais par contre, on arrive à faire des formes en continu, parce qu'un miroir qui a cette forme-là, c'est plus compliqué. Donc en métal, on arrive à faire des bandes qui font comme ça. Et ça, c'est une copine dont le père travaillait dans une boîte qui fabriquait ça, donc on a eu ça pour 200 balles. Je pense que c'est plutôt 2000 ou même pas 800 peut-être, je ne sais pas. Je ne sais même pas trop combien ça coûte. Et le métal, l'ASMG, il y a un concurrent de l'ASMG dans la salle, désolé, qui nous l'a fait à 50%, voilà. Donc ça n'a pas coûté grand, il y a eu 2000 euros de matériel de parabole et 2000 euros de main d'œuvre parce que le gars, je l'ai payé, il est quand même passé 2 mois avec moi, on a bien rigolé, mais je l'ai quand même bien payé aussi. Voilà, je vous recommande pas ce truc-là en fait, pour être honnête. C'est bien, ça fait une énergie très forte, donc on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un four solaire ou qu'on ne peut pas faire avec un chauffe-eau solaire, puisqu'un chauffe-eau ne dépasse pas les 100 degrés. Là, j'ai fondu une bouteille de Kronenbourg, 1 minute, elle coulait. Et on a fondu de l'acier 2 mm d'épais. 2 mm, c'est pas beaucoup, mais de l'acier, c'est 1400 et quelques degrés. Donc on monte, en théorie on monte à plus de 3000 degrés si on se mettait vraiment au centre, mais qui va mesurer 3000 degrés là-dessus? Donc je sais qu'on est monté à 1400 grâce à l'acier en fait qu'on a fondu. Alors ces trucs qui m'ont bien amusé au départ, maintenant je m'en occupe plus trop. Et pourquoi je vous le conseille pas? Parce qu'en fait il y a le souci de suivre le soleil, il y a le souci du vent. S'il y a du vent, faut bien l'arrimer. Donc c'est plein de petites choses. Finalement, un panneau photovoltaïque ou un chauffe-eau solaire à plat, posé, c'est quand même pas si con que ça. Même si ça a d'autres utilités. Voilà, donc en Afrique, super. Mais chez nous, peut-être dans la Drôme, un peu mieux, effectivement. Enfin, en tout cas, voilà, si certaines personnes veulent en savoir plus, vous pouvez venir me voir. Il faut que je passe un peu. Alors ça, c'est un autre truc. Ça, c'est génial. Ça, c'est le dernier truc que je suis en train de tester. Ça s'appelle on appelle ça des réacteurs Jeanpin. Moi, j'appelle ça un bioréacteur bactérien. En fait, c'est du fer à béton en serre, 4 mètres de diamètre, dans lequel il y a des broyats de bois. C'est un gars qui a fait ça il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Jeanpin, qui a fait pas mal plein de choses super intéressantes. Vous chercherez sur Internet Jeanpin si ça vous intéresse. Moi, c'est pour ça que c'est grâce à lui que je suis devenu paysan, en fait. Je me suis aperçu que paysan, c'est pas simplement planter des choux, c'est aussi... on a tout, on a un espace, on fait à bouffer et on fait de l'énergie avec les restes de la bouffe, avec la bouse des moutons, avec plein de choses. C'est un gars qui m'a ouvert l'esprit là-dessus. Donc il a inventé ça, il a surtout inventé le fait de mettre des tuyaux à l'intérieur, ce qui n'est pas une grande invention, mais il fallait y penser. Et vous savez qu'un tas de fumier en décomposition, ça chauffe, ou vous avez tous expérimenté, vu des tas qui fument en bord de champ, ou n'importe quoi, un petit compost de jardin, ça chauffe aussi. Et donc l'idée, c'est de récupérer la chaleur de ces tas. Mais c'est des tas qui vont chauffer pendant 6 mois jusqu'à 2 ans. Et si vous mettez du fumier de vache, eh ben ça va pas marcher. Alors, je vais arrêter de jouer aux devinettes, parce que les bactéries aérobiques ont besoin d'air pour faire de la chaleur. Dans un tas de fumier de vache, c'est trop dense, et donc l'air ne rentre plus. Et du coup, il n'y a plus de chauffage dans le tas au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc l'idée, c'est de prendre des broyats de bois, du BRF, on peut dire aussi, c'est donc du bois... quelconque, en tout cas éviter le résineux et quelques essences un peu parasites. Et ils sont empilés comme ça, bien humidifiés. Et tous les 50 cm, il y a un réseau de tuyaux. Là, il y a 100 mètres de tuyaux par niveau. Donc, il y a 400 mètres dans le tas. Et simplement, ce tas, qui n'est pas fini, vous remarquerez, puisqu'il en manque la moitié, il me réchauffe mes cuves à biogaz, dont on parlera ensuite. Et il y a juste une pompe qui envoie du liquide dans les tuyaux. C'est réchauffé et ça revient à la cuve et ça me réchauffe la cuve. Ça a des inconvénients, c'est pour ça que j'ai un projet en ce moment avec l'ADEME, je crois que c'est la photo suivante, voilà. J'ai un projet d'améliorer ce système de réacteur, parce que quand vous démontez ces réacteurs, vous vous apercevez, d'ailleurs vous avez vu sur la photo d'avant, vous voyez la neige tout autour, au pourtour, en fait ça ne chauffe pas là. Et tout le bord de ce tas n'est pas décomposé, et quand vous démontez le tas, au milieu il y a un beau compost noir, mais sur les bords c'est pas décomposé du tout, quasiment. Et quand vous calculez 4 mètres de diamètre et que vous calculez 50 cm tout autour, ça fait à peu près le même volume. On perd en fait la moitié du volume
Et en substrat fini après pour le maraîchage ou pour je ne sais trop quoi, et en énergie produite, puisqu'il n'y a que la moitié du tas qui va produire de l'énergie. D'où l'idée que j'ai eue de me dire, eh ben, on va faire un tas, donc vous avez le même tas tout au fond là-bas, il est dans la serre. Donc là, le projet avec l'ADEME, c'est d'avoir une serre de très bonne qualité, c'est-à-dire une serre double paroi gonflable au-dessus, c'est deux bâches qui sont gonflées avec une lame d'air entre les deux et des parois en polycarbonate. Ça vaut 10 000 balles pour info, 200 mètres carrés, c'est vachement plus cher qu'une serre tunnel. Donc c'est pas forcément rentable si on n'a pas envie de produire toute l'année. Et l'idée, c'est de permettre aux maraîchers de montagne comme moi de pouvoir produire toute l'année, ce qui nous manque beaucoup parce qu'en fait, quand je vois ce qu'il y a dans les serres en face de moi, nous, les serres, il n'y a rien pour l'instant dedans. Voilà. Et par contre, dans la serre tropicale, j'ai 2-3 bricoles, j'ai des patates qui sont hautes comme ça dans ma serre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce tas qui est au fond, il est isolé. Ça fait un peu Mars, mais il est isolé, c'est le même que l'autre, avec des tuyaux à l'intérieur, et avec une petite différence, donc il y a l'isolation, mais si on fait simplement ça, vous imaginez qu'il n'y aura plus d'air à l'intérieur, et s'il n'y a plus d'air à l'intérieur, il n'y a plus de réchauffage, les bactéries aérobies ne travaillent plus, et du coup ça ne sert plus à grand chose. Donc il y a un ventilateur qui est au pied de ce tas, et que j'allume 30 secondes par jour à peu près pour envoyer de l'oxygène à l'intérieur. Et vous savez ce qui se passe quand les bactéries aérobies dégradent tout court. Donc il y en a certains qui savent que ça produit un gaz qui s'appelle du CO2. Pas du méthane, du CO2 en aérobie et du méthane en anaérobie. Donc là, on est en aérobie. Et ce CO2, est-ce que vous savez aussi que les horticulteurs dépensent des sommes faramineuses pour balancer du CO2 dans leur serre pour augmenter la croissance des plantes? Je ne sais pas si vous savez. Sachant qu'on est à 400 ppm de CO2 dans l'air ici, et le taux idéal est 1000 ppm. Et du coup, moi, gratuitement, j'ai du CO2 dans la serre, voire plutôt 2000 ppm parfois. Et en fait, on peut gagner un tiers de croissance à certains moments des plantes. Donc on peut vraiment raccourcir le temps de croissance. C'est pas mon trip, hein, je vous promets, je suis pas dans ce trip-là. Mais c'est gratuit, ça sort tout seul, je ne saurais pas quoi en foutre sinon. Donc voilà, donc ça augmente la croissance et donc ça fait des patates très hautes. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'énormes patates en dessous, mais j'ai des pieds de patates qui sont gigantesques. Et du coup, donc, dans cette serre, il y a ce tas qui va réchauffer via les tuyaux et via le bassin que vous voyez juste en dessous. Là, il y a en bas, là, on voit un truc en béton, il est vide. Il est quasiment vide, on ne voit pas, il y a un petit peu d'eau au fond. Et du coup, le tas va réchauffer ce bassin. Donc en fait, il va répartir la chaleur un peu dans la serre, parce que le tas lui-même, il y a des pertes. Il ne faut pas croire que l'isolant a arrêté tout passage d'énergie. En plus, il y a un trou en haut, on voit un trou noir en haut à gauche là, du tas. Donc en fait, ça permet à l'air de sortir quand je l'injecte en bas. Et donc cette eau réchauffée, c'est le bassin qui est ici, qui est réchauffé par la parabole solaire d'un côté et par ce truc-là de l'autre côté, sachant qu'on a des moins 15 quand même par chez nous. Du coup, c'est pas mal. Vous voyez aussi un poêle quand même. Vous allez dire, tiens, ce mec-là, il raconte que des conneries, il a mis un poêle, il nous fait croire que c'est le tas qui chauffe sa serre. En fait, ce poêle, il peut servir si on a vraiment des cas exceptionnels de température faible ou que la porte de la serre s'est ouverte à part moins 15, je ne sais pas, mille choses. Et aussi de pouvoir se baigner la nuit dans le bassin. Parce que... voilà, des fois, on se fait des petits plaisirs et du coup, on a ce bassin, on se baigne parfois le soir dedans et du coup, on le réchauffe parce qu'en fait, il est à 30-35 degrés et quand il fait moins 15 dehors, il faut le monter à 38 ou 40 degrés, donc je le finis au bois. Ça sert à ça. Donc, mais rappelez-vous des coups durs, oubliez la fin de l'histoire. Voilà, et puis vous voyez au fond à droite, vous avez, donc comme on est maraîcher, on a tous nos semis qui sont faits sur les planches à droite là-bas. Il y a des tonneaux bleus, on en voit que deux là, et puis une espèce de masse noire à droite aussi. C'est aussi toutes les serres bioclimatiques, pour ceux qui connaissent, ont beaucoup d'accumulation de masse à l'intérieur. Donc c'est tonneaux remplis d'eau simplement. Et ça permet de garder l'énergie attrapée le jour, la nuit. Et on peut gagner beaucoup. Il y a des gens qui ne chauffent même pas et qui arrivent, pas chez nous, mais peut-être dans la Drôme, arrivent à maintenir une serre. Je crois qu'il y a un exemple, je ne sais plus où, peut-être Verdi. Ils tiennent une serre hors gel juste avec l'accumulation de chaleur dans ces tonneaux. Beaucoup, beaucoup ça en tout cas. En tout cas, il n'y a pas de chauffage. Voilà.
Quelques autres petits détails. Nous, pour continuer sur la partie production d'énergie, on a une petite turbine hydraulique, mais on n'a pas de rivière. On est con, hein. On a une turbine, mais on n'a pas de rivière. Donc, en fait, j'ai piqué l'idée à EDF qui remonte de l'eau dans les barrages et qui la rejette en bas quand il en a besoin. Donc, en fait, nous, on a un grand étang, on a un tout petit étang de 400 mètres cubes, 400 000 litres, qui me permet d'avoir 12 heures d'autonomie avec la turbine, ce qui est complètement lamentable. C'est pour ça que je vais creuser dans peu de temps un bassin de 5000 mètres cubes pour avoir une semaine d'autonomie quand il n'y a pas de soleil pendant longtemps, par exemple. Et en fait, le terrain est un petit peu en pente, on a une vingtaine de mètres de dénivelé, et je vide mes étangs dans la turbine, en gros. Quand il y a trop de soleil, j'ai une pompe qui me remonte l'eau, s'il y a une rivière en dessous, qui me remonte l'eau dans les étangs. Voilà, mais c'est peanuts en fait. Hein. J'ai un sol très argileux, et en vrai, en une pluie, en tout cas peut-être pas en plein été, mais en une pluie, j'arrive à remplir mes... Imaginez un hectare, à peu près un hectare de bassin versant, enfin un hectare de récupération d'eau de pluie, un toit qui ferait un hectare. Je vous garantis, ça fait des litres. Hein. Un millimètre, ça fait quoi? Ça fait 10 000 litres. Et donc, quand on a 20 millimètres, je vous laisse le calcul, on remplit quasiment l'étang en une journée, en rien, quoi. Ça va très vite, s'il pleut fortement. Et si le sol n'est pas trop craquelé. À droite, vous avez un truc super classe. Ça s'appelle un bélier hydraulique. C'est pas très connu. Quand je me suis installé, il y avait la rivière en bas, moi le maraîchage était en haut, et j'ai dit « Ah putain, mais comment je fais? J'avais pas d'eau, bien sûr. Comment je fais pour remonter l'eau ?» Donc j'ai cherché sur internet des petits trous à aube qui m'actionneraient une petite pompe pour remonter l'eau, et je suis tombé par hasard sur le bélier, et là, déclic, pour moi c'est l'objet qu'il faut retenir presque, hein, avec le biogaz. Mais c'est hyper simple. C'est le truc qui est au-dessus, là, avec une bouteille de gaz. C'est trois bouts de tuyaux, c'est rien. Je ne peux pas rentrer dans les détails, encore une fois, parce que si certaines personnes sont intéressées, on en rediscute. J'ai quand même mis un petit schéma en bas. Vous avez un bassin qui est sur la gauche, avec une conduite motrice, il y a écrit, qui arrive au bélier. Et ce bélier se débrouille de remonter l'eau à peu près jusqu'à 10 fois la hauteur de chute. Que si vous avez 4 mètres comme moi, j'ai 4 mètres de chute en bas, la rivière... Elle est plate, mais j'arrive à choper au bout de 100 mètres, 4 mètres de chute. Je fais tomber l'eau de 4 mètres et je la remonte de 40 mètres. Pas beaucoup, parce que quand vous remontez de 10 fois la hauteur, vous remontez que 10% de l'eau que votre bélier hydraulique avale. On s'en fout, parce que l'eau, c'est la rivière, il y en a à volonté. Mais voilà. Donc moi, je remonte 2000 litres par jour, comme ça, jour et nuit, sans cesse. Ça fait tac, 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 coup du bélier. Sauf si la foule se déchaîne en disant... Explique-nous comment ça marche, venez me voir après. Alors, voilà pour le bélier. D'autres petits détails, le four qu'on va faire à partir de demain, le four à pain en métal. Donc là, en haut, à gauche, c'est une roulotte, enfin c'est une boulangerie en fait, sous forme de roulotte, puisque on va au marché faire le pain. Et le four, vous le voyez, il est à gauche. Je vous l'ai mis parce que c'est un four très économe en énergie. Pour faire la pub dit 5 kg de bois, avec 5 kg de bois vous faites 20 kg de pain. Dans les fours banaux, les super beaux fours en pierre, c'est 20 kg de bois, 5 kg de pain plutôt, ou pire peut-être. En tout cas, ces fours, ils sont super jolis, mais je suis désolé, tout le monde dit ouais mais ça chauffe pendant le lendemain, il est encore chaud. Et alors, qui c'est qui va utiliser toute l'énergie qui a été accumulée dans le four jusqu'au lendemain? Même les vieux d'il y a 100 ans qui essaient de récupérer un maximum, qui faisaient des tas de trucs, ils ne récupèrent pas toute l'énergie. Donc, pour moi, c'est sympa. Quand on en a dans son jardin, ben voilà, on l'utilise. Nous, on en a même fabriqué un à l'époque, avant de connaître ça. Mais vraiment, un paysan boulanger ou quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de bois ou alors qui veut ne pas polluer la planète, c'est ce type de four que vous verrez en construction demain et après-demain. Voilà, c'est basé sur... Il y a plusieurs boîtes qui le font, mais la plus connue, c'est Soupar, c'est en Belgique. Et c'est vraiment simple, c'est pas cher, c'est que du métal, un isolant autour, deux sols tournantes à l'intérieur. Voilà, moi je trouve que c'est super, c'est vraiment stupide de faire un mis à part pour ceux qui aiment la belle pierre, de faire un four en pierre. Mais bon, ça dépend. Moi je suis là pour parler d'économie d'énergie, enfin d'autonomie énergétique, donc forcément. À droite, vous avez. Alors voilà, c'est là où je voulais parler des engins. Des gros engins. Donc au fond, vous avez un tractopelle que j'ai acheté à peu près quand je me suis installé. Et s'il y a des gens dans la salle qui vont,
qui veulent s'installer, qui, à part peut-être en maraîchage, parce qu'en maraîchage, on n'a pas tant de boulot que ça, mais c'est un achat que j'ai vraiment pas regretté, que j'ai amorti peut-être déjà peut-être 5 ou 6 fois ou plus pour faire le bâtiment, pour faire planter des arbres, pour creuser des étangs, pour 1000 choses. Et j'avais dit, oh, je le revends quand j'ai fini de construire, mais que nenni, c'est... Enfin, voilà, ça préserve notre dos, ça fait beaucoup de choses. Et à tel point qu'il y a 3 mois, j'ai acheté l'autre, le rouge à côté. Alors lui, par contre, je vais le revendre. Et lui, il va me servir à creuser le bassin dont je vous ai parlé de 5000 mètres cubes. 5 millions de litres, ça fait en litres, ça fait plus sérieux. Et qui servira d'une part à avoir une autonomie en flotte plus grande et surtout d'avoir aussi une autonomie énergétique pour envoyer à ma turbine hydraulique en bas. Donc ces deux engins sont en train de faire une cave à champignons. J'ai fait longtemps des caves à champignons enterrées sous le sol, sauf que à moins de mettre des pompes à eau ou des tas de choses, ou de vraiment de bien de pas se faire avoir par des immenses pluies, voilà, la cave se remplit d'eau. Et j'avoue que ça m'a saoulé, sachant que bien sûr quand il pleut, j'ai pas trop d'énergie puisque voilà, il faudrait une pompe pour ressortir l'eau. Donc j'ai changé, j'ai utilisé la méthode Sepp Holzer. Pour ceux qui le connaissent, c'est un paysan autrichien qui est encore pire que moi, mais lui il a pas des petits trucs comme ça là-haut, il a des pelles mécaniques de 50 tonnes, des trucs monstrueux. Et donc lui il a creusé dans la montagne des immenses étangs. Mais en l'occurrence il a fait cette chose là en bas, il a fait plus des abris comme ça, c'est pour ses cochons plutôt généralement. C'est des troncs d'arbres qui sont plantés à 1 mètre dans le sol. Poum, 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 resserrer les uns contre les autres. Au-dessus, pareil, hop, et on balance de la terre dessus, on ferme, et on a une cave sous terre, mais hors d'eau. Enfin, voilà, on ne subit pas les problèmes de flotte inhérents à une cave enterrée. Et donc, pour qui il y a une forêt, ça coûte zéro à peu près. Pour qui il y a une forêt, un tractopelle, ça coûte zéro. Voilà. Tout le monde n'a pas une forêt, un tractopelle. Nous, moi, j'ai le tracto, on achète une forêt le mois prochain. Donc ça va être la cave à champignons, on peut faire des pleurotes shiitake, donc on a déjà fait ça c'est simple et pas simple. Le seul problème pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, c'est soit s'ils veulent tout faire eux-mêmes, hein, évidemment vous pouvez acheter des sacs tout faits, pré-ensemencés, mais le problème c'est que les champignons c'est des petites bêtes qui aiment bien l'air, et quand vous utilisez un substrat comme de la paille, souvent c'est utilisé, il faut le pasteuriser, parce qu'il faut tuer un maximum d'autres, de concurrents à nos propres, notre mycélium à nous. Et la solution, c'est de pasteuriser, donc vas-y, de l'énergie, machin. Ou l'autre solution qui devrait fonctionner, c'est d'utiliser, et on va y venir après, le substrat des cuves à biogaz, qui est le biogaz, c'est quelque chose de anaérobie, sans air. Donc, il n'y a plus d'air dedans, il n'y a plus de concurrence, vraiment. Du coup, si on prend la matière, une fois que ça a été décomposé, je prends la matière, je la mets dans mes sacs, j'inocule avec mon mycélium. Ça a été testé, ça a marché, mais pas à chaque fois. Donc, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas à chaque fois. Mais voilà pour la petite histoire des champignons. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré la photo du bâtiment. Il y avait une grande, grande véranda tout le long. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, il y a des palettes, en haut, donc en haut, la photo en haut à gauche. Derrière, il y a les moutons. Quand là, je l'ai vu que j'ai la grande serre maintenant, j'ai passé cette serre sur laquelle je faisais mes semis avant. Je l'ai passé à un copain qui fait ses semis maintenant, lui-là. Et en fait, l'avantage de cette histoire, c'est que les moutons m'attendaient un hors-gel dans cette serre. Parce qu'en fait, ils étaient de l'autre côté, c'était à jouer, donc la chaleur des moutons rentrait dedans, et devant, il y avait une véranda, et ça me permettait de démarrer mes semis assez tôt. Peut-être pas les tomates, parce que les tomates, il y a un minimum de température, mais en tout cas, cette photo elle a été prise il y a quelques jours. Hein, il y a des salades, des navets, des betteraves, bon, tout un tas de trucs qui poussent assez facilement. Mais si on n'avait pas ça, ça serait cramé la nuit. Ou voilà. Donc c'est encore un petit détail d'économie d'énergie. En haut, à droite, vous avez donc on est éleveur, donc on a du foin. Et on a un séchoir en grange. Donc le séchoir, pour l'instant, ce n'est pas spécialement économe en énergie, mais il est solaire. Sur le toit, là-haut, vous voyez, il y a de l'OSB. J'ai de la tôle noire sur le toit, de l'OSB en dessous. Et en fait, on aspire de l'air qui est réchauffé par le toit, qui descend par la goulotte là, qui arrive en dessous dans les trous. Vous voyez, les trous, il y a des bottes posées dessus. Et je sèche des bottes d'herbe. En vrai, c'est de la frime, parce que ça, je l'ai fait quand je me suis installé. On avait une bonne aide pour ça, et j'espérais avoir de la terre, et j'en ai pas eu.
Donc, je ne fais pas mon foin, j'achète du foin. Mais le gars m'amène quand même quelques bottes chaque année que je peux sécher. Ça la fait chier parce que ça l'arrange pas de me ramener juste quelques bottes. Et en plus, il ne sait pas comment ça marche, le séchoir et tout. À quel stade me les amener. Mais en gros, j'en sèche 16 chaque année. Voilà. Mais un jour, je pense, j'aurai un peu de terre pour faire mon foin et sécher mon foin. Et ça permet pour les non-initiés d'avoir un foin d'une super grande qualité. En gros, c'est presque le même foin que le foin qu'elle mangerait en été. Voilà. Il n'y a pas de perte, les feuilles sont intactes, c'est vraiment génial. Ils sont super bons. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne donne pas de compléments alimentaires aux animaux, les animaux sont en bonne santé. C'est tout un tas de trucs comme ça. C'est super, en vrai, c'est des trucs qui devraient presque être obligatoires. Mais bon, en bas à gauche, j'ai une cuve de 4000 litres qui est dans la grange en hauteur et qui me permet d'avoir l'eau pour les animaux et la maison. Cette cuve est alimentée par une pompe solaire. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, sous mon terrain, il y a une conduite d'eau qui passe. Il y a un château là, sa source est là, et mon terrain est entre les deux. À la base, je ne le savais pas, je l'ai su après. Et en fait, j'ai demandé aux châtelains si je pouvais me piquer sur leur tuyau d'eau. Eux, ils s'en foutent, ça part dans la nature. Donc, j'ai fait un trou et j'ai une petite pompe solaire qui me remonte l'eau jusqu'à cette cuve et qui me permet d'avoir de l'eau pour la baraque. J'avoue que j'étais un peu fou à l'époque, je m'étais installé, mais je n'avais pas d'eau. Je me disais, oh, je m'en fous, je ferai des cuves en béton. Parce que le béton, ça permet de garder l'eau à un pH un peu meilleur, je crois. En tout cas, à un problème, trois solutions. Il ne faut pas oublier ça. Donc, j'aurais trouvé une solution. Au milieu, je vous ai mis cette photo. Donc là, vous voyez, on est dans la grange, en bas au milieu. On est dans la grange et vous avez vu, il y a des trappes. Ça me permet de balancer le foin en dessous. Et je vous l'ai mis parce que mettre le foin à côté des animaux, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est tellement mieux de mettre le foin au-dessus. Pour isoler l'hiver, pour éviter d'avoir que les animaux aient trop froid, pour éviter que l'eau ne gèle dans la bergerie. Voilà, un certain nombre de choses. Et surtout pour moi, physiquement, j'ai qu'à donner un coup de pied pour descendre presque le foin pour les moutons. J'ai quand même une machine qui me bouge ses grosses bottes. J'ai une griffe à fourrage dans la grange. Je ne sais pas si on voit quelque chose là-dedans. Non. C'est une machine qui permet de bouger les bottes et de les éparpiller un peu partout. Voilà. Et ça me permet aussi de monter les bottes à l'étage parce que je ne suis pas dans la pente. Avant, dans les pentes, vous vous rappelez, dans les fermes, ils les mettaient dans les pentes, comme ça, ils rentraient le foin par en haut. Et le jeter en bas, mais là je suis à plat. Donc j'ai une machine qui va chercher le foin et qui va le ranger comme des Legos dans la grange. Et en bas à droite, pour finir, vous savez qu'on tond les moutons chaque année. Et la tonte des moutons, ça rapporte des fois même pas l'essence pour aller l'amener à l'endroit où il la récupère. Du coup, moi je tapisse mon mur nord de cette laine. Donc vous voyez des palettes, ça c'est le mur nord de la bergerie en bas. Et il y a encore des trous, c'est pas fini. Et chaque année, je balance toute ma laine dans ces interstices. Pareil, on gagne de l'énergie. Je vous ai mis ces photos parce que en fait, c'est une somme de petites choses. L'autonomie énergétique, c'est pas je mets des panneaux, je mets ici, c'est mille choses. Il faut penser à tout. Par exemple, je n'ai pas parlé de la machine à laver le linge. C'est de faire entrer l'eau chaude de la machine à laver dans la machine à laver directement, sachant que l'eau chaude, j'en ai trop. Enfin, quand il y a du soleil, j'en ai trop. Et s'il n'y a pas de soleil, j'ai un poêle qui me réchauffe et j'ai trop d'eau aussi, trop d'eau chaude. On en jette des fois, pour vous dire. Mais on a trop d'eau et trop d'eau chaude. Et en vrai, des fois, on prend un bain tous les soirs avec les gamins parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'eau chaude. C'est fou, hein, mais c'est l'autonomie énergétique, ça peut être ça, en fait. C'est pas le même raisonnement. Voilà. Donc là, on arrive à la partie biogaz. Donc, j'ai écrit un bouquin. C'est pour ça qu'on m'a invité ici, aussi parce que je suis sociétaire. Fabrice s'est senti obligé. Non, je rigole. Donc j'ai écrit un bouquin. Ces photos, je les trouve classe parce qu'elles ont pas loin de 70 ans, voire peut-être 100, j'en sais rien, 60 ans, 70 ans. En haut, c'est des bus en Chine avec des gros ballons sur le toit. Et dedans, il y a du gaz. Et simplement, eh ben, il n'est pas compressé, donc ils font 5 km. Ils re-remplissent, ils refont 5 km, ils re-remplissent. Mais ça coûte zéro, c'est du gaz. Alors, on va dire que c'est du biogaz. Ça peut être aussi du gazogène. Par contre, en bas, le tracteur que vous avez, c'est en France. Et c'est un tracteur qui fonctionnait en 46, je crois, et avec du biogaz. Et en France, il y a zéro tracteur qui fonctionne avec du biogaz maintenant. Alors, plein de gens produisent du biogaz. Alors, en France, pas tant que ça. Hein. Ils commencent à sortir des tracteurs au méthane purifié, mais au biogaz, pas tant que ça. Je trouve ça nul. Et du coup, il fallait faire quelque chose. sur cette photo que j'aime bien, à gauche, vous avez un tout petit, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un à midi, un petit digesteur de à peu près 1000 ou 2000 litres en Inde, où je suis allé faire un tour pour voir comment il faisait.
où ils font du gaz pour la famille, hein, pour faire à manger. Donc ça marche. Ils font à bouffer tous les jours pour la famille et ils remplissent tous les jours. Ils mettent un peu de leurs épluchures, sûrement plus. Et ils ont du gaz, voilà. En dessous, vous avez la taille au-dessus, ça doit faire 4000 litres peut-être. Et là, c'est pour une grande famille, mais pareil, c'est pour faire à manger uniquement. Et au-dessus, c'est en France, et j'aime bien parce que c'est vraiment c'est entre en bas et au-dessus, c'est deux mondes complètement différents. C'est une centrale de biogaz, pareil, à une autre échelle. Et celle d'en dessous est quand même un peu petite si on réfléchit autonomie énergétique. Parce que faire la cuisine, c'est sympa, mais on a peut-être envie de se chauffer, peut-être faire un peu d'électricité, rouler en bagnole, j'en sais rien. Elle était trop petite. Celle du haut, elle était trop grosse. Du coup, j'ai fait celle intermédiaire. Vite fait, je vous montre les photos pour dédramatiser la construction d'une cuve à biogaz. Mon tractopelle a fait un trou sur la photo 1. Une toupie est venue verser du béton sur la photo 2. Sur la photo 3, on a monté, comme on montrait une maison ou une cuve d'eau. Il y a pas mal de gens maintenant qui font des cuves à eau sous leur maison. C'est pareil, c'est exactement pareil qu'une cuve à eau. Il faut qu'elle soit étanche à la flotte et c'est tout. Donc, c'est des moellons branchés et sur lesquels, à la fin, j'ai mis un enduit quand même parce que le moellon, ce n'est pas spécialement étanche. Voilà. Sur la photo 4, c'est la fin, le haut de la cuve dans lequel on met une petite goulotte qui permet ensuite de mettre des bâches pour fonctionner en anaérobie. Alors, j'ai pas tout dit du biogaz, hein, mais franchement, on a encore un bon paquet de temps après pour ceux qui le veulent, pour en vraiment en discuter. Hein. Mais le biogaz, c'est quand même, ça fonctionne avec des bactéries qui ne veulent pas d'air, donc il faut qu'il n'y ait pas d'air. C'est pour ça que vous verrez sur la photo suivante, les cuves sont complètement recouvertes, complètement isolées de l'air. Et sur la photo 5, c'est la cuve juste, en tout cas la partie béton, enfin la cuve finie, les deux cuves finies. J'ai mis une petite serre de maraîchage dessus pour éviter que la neige stagne dessus et surtout pour faire de la chaleur, puisque les bactéries méthanogènes que vous avez dans le ventre, aussi vous, qui produisent des gaz, fonctionnent très bien à des températures assez hautes. Donc le top, c'est 37, comme nous, comme notre corps, 37-38 degrés. Et, sauf qu'elles ne produisent pas d'énergie. Et si vous mettez des matériaux en décomposition dans ces cuves, mais que vous laissez faire, la température va baisser et arriver à 15, ça va commencer à pratiquement plus produire, et à 10, plus du tout. Du coup, il faut réchauffer ces cuves. Du coup, la serre sert aussi à ça, à réchauffer les cuves qui me permettent de moins perdre de chaleur. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais chauffer avec le réacteur Jeanpin. Donc, c'est ces cuves que j'utilise. Je prends le jus qui est dans les cuves. Je ne sais plus si on voit sur ces photos. Non. Je prends le jus qui est dans les cuves, je le fais passer dans les tuyaux du réacteur et je le rebalance dans les cuves. Ça me permet de réchauffer les cuves et de mélanger les cuves, parce que les cuves doivent être mélangées. C'est un long... J'ai un bouquin pour ça, hein, si vous voulez savoir tout sur le biogaz. Ah ouais, et j'en ai même ici aussi, si jamais vous ne voulez pas aller jusqu'à là-bas, mais il faut d'abord écouler les vôtres. Du coup, les cuves, là, en haut à gauche, vous avez une cuve qui est remplie. S'il y en a qui ont l'œil, ils voient que c'est des copeaux de bois. Et en fait, j'ai un esprit critique tellement développé que je voulais vérifier que les copeaux de bois ne marchaient pas. Parce que la lignine n'est pas dégradée par le biogaz, par les bactéries. Et vous le savez, parce que souvent on sèche le bois sous l'eau. Vous savez aussi qu'il y a des maisons, je crois que c'est à Amsterdam ou New York, qui ont les pieds dans l'eau depuis des centaines d'années sur du bois et elles ne se sont jamais écroulées. Donc l'eau conserve le bois. Parce que c'est vraiment l'oxygène qui les tue. L'oxygène humide. C'est comme dans les réacteurs Jeanpin, c'est humide. Si c'est sec, il n'y a aucune dégradation. Voilà. Donc, j'ai voulu faire l'essai, j'ai ressorti mon bazar, ça n'avait pas du tout été dégradé, j'avais pas eu de gaz, mais je suis content, j'ai essayé, voilà. Donc, c'est pas forcément à faire. En haut à droite, vous avez les cuves qui sont fermées avec deux bâches en EPDM, qui sont plaquées dessus, et en bas, les cuves qui sont gonflées par le gaz. Dessus, il y a des tuyaux. Ces tuyaux me servent, quand il y a du soleil, je ne pique pas l'énergie dans le réacteur Jeanpin, je le pique là, sous la serre qui est fermée. Je fais passer mon jus là-dedans, qui est réchauffé, et je le réinjecte dans les cuves. Il y a 100 mètres de tuyaux, c'est un gain énergétique pas cher et simple, qui vaut la peine d'être essayé. À gauche, vous savez que quand les bactéries méthanogènes de votre ventre, quand elles produisent du gaz, ils ne sont pas très bons. C'est le dihydrogène sulfuré, qui est un gaz qui pue et qui est très dangereux, et pour les humains,
alors pas aux doses que notre corps avec lesquelles notre corps les produit, mais une cuve à biogaz produit beaucoup d'H2S, qui est le dihydrogène sulfuré, et c'est hyper, hyper dangereux. On en meurt en une minute, hein, on respire plein gaz en une minute, on est rincé, hein, on est mort. Quoi. C'est, en 15 secondes, on n'a plus d'odorat, et toutes 30 secondes, c'est le voile. Alors donc, c'est dangereux, mais surtout, c'est, enfin surtout, non. Et c'est dangereux pour les moteurs. Et vous allez voir que mon gaz va dans des moteurs, donc il faut absolument enlever ce gaz. Et c'est hyper simple. Alors, c'est une colonne en PVC de 100 dans laquelle il y a des copeaux de métal rouillé et des copeaux de bois. Et en fait, c'est juste une... Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Moi, j'invente rien, en fait. Hein. Je fais des trucs... je le fais et je le mets à la portée de tous pour pas cher. Enfin, je le mets à la portée de tous et ça coûte pas cher, plutôt. Et du coup, ces copeaux de métaux rouillés vont fixer l'H2S. C'est une réaction chimique. Entre le métal rouillé et l'H2S, ça produit un S2 qui reste en solution aqueuse dedans. Et du coup, je suis à 0 ppm de H2S en sortie de ce filtre. Donc, je ne risque plus rien. Il y a quelques applications là du gaz que j'utilise. Donc, je n'utilise le gaz que quand il sort de cette colonne. Jamais je n'utilise du gaz brut sorti de cuve. C'est vraiment trop dangereux pour tout. Et c'est tellement simple de faire ça. Donc... En haut, à gauche, vous avez un petit réfrigérateur à absorption. Ceux qui font de la caravane, ils doivent connaître ces réfrigérateurs de caravane, de camping-car, c'est qui marchent au gaz. On appelle ça trimixte, pour ceux qui connaissent. Ça marche au gaz, électricité, 12 volts et 220 volts. En l'occurrence, moi, je m'en sers au gaz, donc j'ai un peu modifié le brûleur. En bas, vous voyez une petite modif, il y a un tuyau qui arrive avec une petite vanne rouge. Et je brûle mon gaz dedans. Et en fait, ce petit réfrigérateur est incrusté dans une petite chambre, je dis froide, mais elle n'est pas spécialement froide, c'est ma fromagerie. Et en fait, ça me fait un peu de froid l'été dans la fromagerie. En ce moment, je ne l'utilise pas, bien sûr, parce qu'il fait plus froid dedans que dehors, presque. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu de froid. Ça peut faire des glaçons, hein, même, ces petits réfrigérateurs, c'est pas mal. Donc, c'est une application. En dessous, vous avez un peu du bordel, mais on distingue un poêle, c'est le poêle qui est dans la baraque. Et vous avez un tuyau en métal qui rentre dans le poêle. J'ai fait un trou en bas du poêle, tout simplement, et j'envoie mon biogaz dedans. Et ça chauffe. Je ne mets pas de bois. Et si j'ai du gaz, pas besoin de mettre de bois. Et ça me chauffe la baraque pour pas cher. Et voilà. En bas à droite, vous avez un groupe électrogène SDMO. Je dis SDMO pour ceux qui connaissent, parce que c'est des groupes qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Et j'ai trouvé... un kit qu'on peut mettre sur ces groupes électrogènes pour faire tourner ça au méthane, non, au propane-butane. Il y a des gens qui transforment, je crois que c'est surtout aux États-Unis, en France, pas tant. Ils doivent payer moins cher le gaz. Et c'est un kit qu'on installe et puis on peut utiliser du propane voilà, pour faire fonctionner son groupe. Sauf que le biogaz n'est pas du propane, puisque c'est 60% de méthane et 40% de CO2. Du coup, il a fallu faire quelques adaptations. Dont je ne vais pas discuter maintenant, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est compliqué à expliquer au micro. Et en plus, j'ai légèrement transformé ce groupe électrogène en cogénérateur. Cogénérateur, c'est un groupe électrogène qui fait et de l'électricité et de la chaleur. On récupère la chaleur du groupe, on va dire, vite fait. Et du coup, j'ai aussi récupéré la chaleur de l'échappement de ce groupe pour réchauffer mes cuves à biogaz aussi. Et en haut, cette jolie flamme, c'est récemment, on avait trop de gaz, et du coup, je balance le gaz dans le four à pain en métal que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ravit ma copine qui a besoin de mettre moins de bois. Il faut quand même qu'elle en mette un peu, mais voilà, il y a toujours le gaz qui sort d'une manière bien puissante. Ça, c'est le truc, c'est le clou du spectacle pour moi. C'est un épurateur à gaz pour permettre d'utiliser le biogaz dans une bagnole. Et cet épurateur, je crois qu'il coûte 1 600 €. Il faut faire soi-même, bien sûr. Mais pour 1 600 €, vous avez une raffinerie de pétrole à la maison. Alors, il y a quand même les cuves à biogaz qu'il faut faire, 5 000 € plus 1 600 € de ça, plus ce compresseur qui est ici, qui me permet d'envoyer dans ma voiture le gaz à 200 bars, puisque les voitures GNV fonctionnent à 200 bars. C'est des voitures de... j'ai pas modifié la bagnole. Hein. C'est des voitures en Allemagne, en Italie, il y en a partout. Donc j'utilise le biogaz dans ma bagnole, et la véritable autonomie énergétique, elle est là, parce que c'est finalement rouler en bagnole, c'est la plus compliquée. On peut avoir 100% d'autonomie en bagnole avec des voitures électriques, mais peut-être ici ou en Afrique, mais chez moi, je ne pourrais pas. Ou alors, il faudrait que j'accumule de l'énergie pendant des jours dans plusieurs batteries pour ensuite recharger mes batteries de bagnole.
Le biogaz, en théorie, on en a tout le temps. Pour peu qu'on fasse bien les choses, ce que je ne fais pas toujours, mais ça m'est arrivé d'être en panne de biogaz. voilà, et ça, c'était donc à gauche, vous avez l'épurateur, c'est une colonne qui fait 5 mètres, qui était, je l'avais dimensionné un peu au feeling, on va dire, avec des docks que j'avais trouvés sur Internet, et le principe, c'est un principe très simple, qui est hyper connu, ça s'appelle le lavage à l'eau, on fait passer le biogaz dans de l'eau sous pression, et l'eau, elle attrape le CO2, et le méthane qui se dissout beaucoup moins dans l'eau, il ressort en haut et on n'a que du méthane. Et le méthane, moi j'ai un méthane à 80, je sais plus, 80, plus 94%, je crois. Et la norme étant 91 ou 92%, ça dépend si au sud ou au nord de la France, des fois. Un truc qui m'étonne un peu, mais bon. Et du coup, voilà. Et il y a 2-3 mois, on a rebossé avec un pote qui a aussi bossé sur un épurateur. Et on a fait ce nouvel épurateur que je vous montre. Il n'est pas encore en état de fonctionnement, parce qu'il n'est pas fini de souder. Je n'ai pas le temps. Et il est beaucoup plus petit, vous remarquerez, et beaucoup plus efficace. Il me permet de faire plus de gaz avec moins d'eau et j'ai moins de perte de gaz, qui a quand même un peu de méthane qui se dissout dans l'eau. Avec ce système, avec les 3 branches en bas, on a moins de perte de méthane. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails. Ceux qui veulent en savoir plus viendront me voir. Vous avez l'ancien à côté, là, que vous voyez par terre, qui est beaucoup plus gros, qui coûte beaucoup plus cher. Celui-là, 860 euros pour être autonome, enfin pour rouler, pour faire. Alors, il faut quand même, pour info, on n'a pas du gaz comme ça. Il faut, avec cet épurateur, il faut une journée et demie d'épuration pour faire 500 km, je crois que j'avais calculé, pour vous donner une petite idée des quantités. Voilà. Trois petits mots. Donc, je crois qu'il y avait une personne qui est formatrice pour Tripalium dans la. Je ne sais plus si elle est là. Et donc, vous voyez sur le. Ça, c'est la ferme en haut. Il y a une éolienne de Tripalium, je crois d'ailleurs. Les stages, c'est qui? C'est Tripalium qui les fait. Parce qu'il y a Eole Tripalium. Donc, on avait fait un stage à la ferme, mais en vrai, j'ai pas de vent. Et honnêtement, on a fait cette grosse parabole qui fait 1500 watts. Et on en a fait une petite de 300 watts. Je l'ai gardée la 300 watts, mais je vous avoue, je ne l'ai même pas mise. Soit c'est la tempête, ça arrache tout, soit il n'y a pas de vent. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'éolien sur la ferme. En haut à droite, j'adore parler de ça. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui rêvent d'un moteur à énergie libre. Et c'est-à-dire, alors je vous ai fait une photo. Souvent, je ne mets pas de photo, donc c'est difficile à comprendre. Donc ça, c'est une photo, c'est vrai, ça marche. Regardez, il y a de la lumière. C'est un moteur surnuméraire. Moteur surnuméraire. Vous avez à gauche un moteur, le petit machin en haut là, gris, et à droite un alternateur. Ou l'inverse, je ne sais même pas, peu importe. On va dire que c'est ça. Le moteur, l'alternateur, vous savez que ça produit de l'énergie, c'est les trucs qu'on met dans les voitures pour recharger les batteries. Un moteur, il lui faut de l'énergie pour tourner. Donc le mec hyper malin, il se dit, je vais brancher l'alternateur en rebouclage sur le moteur. Donc l'alternateur, il va produire de l'énergie, et si je suis capable de lancer, donner un coup de main au départ, le truc, il fonctionne comme ça, mouvement perpétuel. Mais mieux, il produit encore plus d'énergie, il recharge une batterie. Donc, vous tapez moteur surnuméraire sur Internet, vous allez trouver plein de trucs. Et moi, il y a des gens que je croise et qui en sont persuadés. Dans mon bouquin, vers la fin, j'offre 10 000 euros à la personne qui m'amène ce moteur, parce qu'après, je serai hyper riche le jour où j'aurai un moteur comme celui-là, quoi. Bon, bref, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'infos sur l'énergie libre. Des trucs, alors il y a le Karpanadze qui récupère l'énergie du cosmos, il y en a le moteur à eau. Alors j'ai trouvé un gars qui me jure qu'il a et qui va m'inviter quelque part voir un moteur à eau. Alors, qui fonctionne qu'avec de l'eau. Pourquoi pas? A priori, c'est pas infaisable, mais c'est pas viable, voilà, plutôt. C'est comme la génétique quand on croise, quand on veut faire des clones humains. C'est pas infaisable, mais ça marche pas pour l'instant. Espérons que ça marche jamais. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous trouvez un truc de fou comme celui-là, c'est de vous poser vraiment des questions. Et je vous jure, le nombre de gens qui me disent « Mais si, moi, j'ai un pote, il l'a chez lui, machin, je te jure. » Je lui réponds « 10 000 balles, je te donne 10 000 balles, tu m'emmènes. » Donc, vous pourrez dire pareil sans prendre trop de risques, hein, je vous dis. Mais c'est dommage, hein, moi, j'aimerais bien. Je suis pas contre le principe de produire gratos de l'énergie à profusion, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps à essayer de faire marcher ces machins-là au lieu d'aller faire des choses plus intéressantes en termes d'énergie, parce qu'il y a plein de choses à faire encore en termes d'énergie. En dessous,
Je vous parle d'un truc, alors ça c'est un sujet un peu tabou, entre... non je déconne, l'Arduino, c'est un peu le Linux de l'électronique, c'est l'électronique libre, et alors j'en parle parce que pour moi, l'autonomie d'énergie, c'est compliqué. Quand vous devez penser à tout sur votre ferme, parce que quand vous êtes chez vous, EDF pense à vous, quand vous consommez plus d'énergie, vous en consommez plus, quand... Tout est pensé dans notre société, enfin, ça nous coûte très cher, mais on pense plus. Sauf que quand c'est vous qui faites tout, c'est quand c'est vous qui gérez le trop plein d'énergie ou le pas assez plein d'énergie, pensez à dire « Ah putain, il faut que j'arrête de consommer, je ne vais pas lancer une machine à laver maintenant parce que j'ai plus de... » C'est vachement prenant au niveau de la tête et ça peut devenir fatigant. Et en fait, il faut trouver des aides. Alors les aides, soit on prend des gentils petits bonhommes qui veulent bien bosser gratos, soit on prend Arduino, qui ne fait pas tout, mais qui fait quand même pas mal de trucs. Arduino, donc, c'est des petites cartes électroniques qui valent 3 francs 6 sous. Alors moi, j'ai fait des études là-dedans. Pour vous dire, par exemple, j'écris suivi automatique du soleil. La parabole solaire que je vous montre au début, elle suit le soleil automatiquement. Si j'ai fait ça avec des étudiants il y a 5 ou 6 ans, quand je donnais des cours à la fac, on n'arrivait pas à le faire en un an, enfin en un an d'étudiant. Et maintenant, avec Arduino, j'ai dû le faire en 2 heures ce projet. Tout est simple, quelqu'un qui a envie de s'y mettre, c'est hyper simple de s'y mettre. Vraiment, c'est... Du coup, je pense qu'on va donner, donner des cours un peu avec l'atelier paysan là-dessus. En tout cas, pour autonomiser, c'est plutôt pour les paysans, mais bon, peu importe qui, sur des petits détails de la vie agricole. Ouvrir des serres automatiquement, par exemple. Vous oubliez d'ouvrir une serre automatiquement une fois, vous perdez toute votre production, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est des trucs comme ça. Donc il y a des petits détails. Alors moi, elle me sert à quoi ? Ça me sert à le suivi solaire, ça me sert à la pompe biogaz dont je vous ai parlé. Dès que la température sous la petite serre qui est sur les cuves biogaz, dès que la température augmente, que le tuyau que vous avez vu dessus devient chaud, pouf, ça se met en marche, ça fait tourner. J'ai pas besoin de me dire, oh putain, il faut que je la mette en marche, il y a du soleil, ou que je l'arrête, que je n'oublie pas de l'arrêter. Le nombre de fois où j'ai oublié d'arrêter cette pompe, ça m'a niqué les batteries. Bon, c'est plein de choses comme ça. Suivi bioréacteur bactérien, ça me permet de suivre les températures à l'intérieur parce que finalement c'est une grosse boule comme ça, on sait pas ce qui se passe, on se rend pas compte. Et du coup là j'ai plein de capteurs de température intérieure, j'ai des beaux graphiques chez moi, de mon pieu je vois ce qui se passe à l'intérieur. Donc je peux réagir, mettre plus d'oxygène ou essayer de comprendre quand il y a un souci. Le surplus d'eau chaude, ça c'est pour la maison, c'est que comme on produit trop d'eau chaude, l'eau monte à trop de température dans le ballon et ça me permet d'ouvrir une vanne qui m'évacue l'eau chaude en cas de problème. Et l'épurateur à biogaz, l'automatisation pour que ça se déclenche. Bon, je ne rentre pas dans les détails, pareil, vous venez me voir si vous voulez en savoir plus. Mais il y a quand même un minimum d'automatisation pour que l'épurateur à biogaz fonctionne. Voilà pour ça. Et pour la petite blague, il faut parler anglais. J'aime bien ça parce qu'en fait, on accueille des woofers de temps en temps. Et ça, c'était une Russe qui était venue avec deux copains à elle. Mais elle n'avait pas compris où elle tombait en fait. Et elle pensait venir à l'hôtel ou j'en sais rien. Et en fait, j'aime bien parce que ça montre bien que c'est pas si simple, quelque part, l'autonomie énergétique. Donc elle dit, bon, elle parle de bouffe au départ, qu'il faut trouver la bouffe sur la ferme. Donc il faut la ramasser dans les champs. Bon. Que l'Internet est limité, il marche que dans la cuisine. Des fois, la connexion est pas bonne. Qu'on peut charger les téléphones ou les ordinateurs seulement dans la cuisine. L'électricité est limitée. Les douches chaudes seulement quand il y a du soleil et il n'y a pas de chauffage là où vous dormez, c'était en septembre bon. Et en fait je vous le mets quand même parce que c'est vrai que c'est pas si simple, c'est un peu un combat de tous les jours voilà. Alors nous on est un peu extrémiste hein, évidemment on n'est pas à 100% parce qu'on a encore un groupe électrogène, parce que les tracteurs, ils ne sont pas encore modifiés. Sachant que ça se modifie très bien, ils ont déjà tourné depuis bien longtemps, donc c'est une question de temps, mais je suis une bille en moteur, donc je n'ai pas osé m'y lancer encore. Mais je sais ce qu'il faut faire. Mais je pense que, chaque fois je dis ça, mais j'espère que dans un an ou deux ans, on sera pas 100%, on aura encore 20% de diesel à mettre dans les tracteurs, parce que les tracteurs diesel ont besoin encore de 20% de diesel pour fonctionner, pour différentes raisons thermiques de fonctionnement de moteur. Mais ça sera peanuts, quoi. Ça sera vraiment, vraiment rien du tout. Voilà. Je crois que c'est tout.